suis ravie d'être là ce soir hein, pour l'animation de ce webinaire qui se consacre à la transition écologique et aux associations sportives. Moi, je me présente, je m'appelle Léna Picard, je suis chargée de mission transition écologique à l'EFOLEP National. Et donc, mes missions consistent notamment à créer des outils pédagogiques au service du réseau. Donc, je vais créer des outils qui associent sport et transition écologique. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, on a sorti des outils à l'IFOLEP National sur le sport et la préservation de la biodiversité. J'en parlerai un petit peu plus loin. Et aussi, un des enjeux majeurs de ma mission, c'est la coordination de projets structurants sur les territoires. Donc, par exemple, je vais être amenée à coordonner un projet de ressourcerie dans les communautés. Donc, pour rappel, les ressourceries sont des lieux qui viennent récolter, réparer, réemployer, revendre du matériel d'occasion. Donc, on avait un petit sondage qu'on avait prévu. Bah, peut-être, Fanny, on peut du coup parler. Enfin, je peux te poser les questions directement et les personnes qui revisionneront ce webinaire pourront peut-être répondre aussi de leur côté. Mais Fanny, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta fonction à l'UFOLEP ou dans ton association ou ton comité? Tu peux le dire par chat aussi et Fanny S me transmettra tes réponses. Donc moi, je suis bénévole dans une association de gymnastique artistique. Ok. Dans le 13. Dans les Bouches-du-Rhône, dans la ville de Gardanne. Voilà. Ok. Et donc, j'ai un peu, à la fois, je suis sur la communication auprès des adhérents et toute l'aide qu'il peut y avoir sur les moments un peu forts et aussi un peu ce versant écolo qui m'était dédié, en sachant que là, ça avait été un peu mort sur les deux dernières années. Oui, ok, merci. Top. Et j'avais une autre question, mais là, tu y as répondu. Mais généralement, quand on est une association sportive, il se peut qu'on ne se sente pas forcément légitime d'agir sur ce sujet. Déjà, quel est le lien entre le sport et la transition écologique? Déjà, ça, c'est une première question. Et deuxième, est-ce que si je fais du sport en intérieur ou en ville, est-ce que forcément je vais avoir un impact sur cet enjeu-là ou pas? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle des sports nature de prendre en main cet enjeu? Et la réponse est non, hein, c'est vraiment toutes les associations sportives confondues ont vraiment un rôle à jouer dans la transition écologique et vous pouvez tout à votre échelle prendre en main cet enjeu pour en faire un véritable outil à la fois de gestion en interne pour vos bénévoles ou salariés si vous êtes une association employeuse. Et aussi, ça peut être un levier pour générer de nouvelles activités qui associent à la fois le sport et l'écologie. Et donc là, je vais vous adresser une petite devinette. Donc, l'idée, c'est de vous demander, à votre avis, quel est le lien ou quels sont les liens, et puis il y en a plusieurs, entre un t-shirt, une abeille, un avion, des cookies, des friandises, l'être humain et une ampoule électrique. Est-ce que Fanny B, tu as une idée du lien ou des liens qu'on pourrait faire entre ces petites icônes? Je vais être la seule interrogée ou pas? Fanny S peut répondre aussi, mais je crois qu'elle a déjà vu la réponse. En vrai, je ne l'ai pas regardé. Non, le lien que je ferais, c'est l'impact qu'a l'un sur l'autre. Le coton du t-shirt, les abeilles dans les champs, la pollution à la fois atmosphérique et des transports aériens ou terrestres. Pour le cookie, ça pourrait être des denrées qui viennent de loin, comme le chocolat, mais ça pourrait être aussi la farine, le blé qui consomme beaucoup d'eau. Ça pourrait être aussi la malbouffe. Donc, la surconsommation aussi, parce que là, il y en a quand même beaucoup. J'espère que c'est pour une équipe complète et pas pour une personne. L'humain qui est au centre de tout ça et qui subit, mais qui induit tout ça aussi. L'électricité, ça peut être nucléaire, mais l'ampoule, ça peut être aussi des idées nouvelles. Et voilà un peu le lien que je pourrais faire. Ok, je pense que je vais arrêter mon webinaire là. Je crois que tu as tout dit.
Ouais, mais en fait, c'est tout à fait ça. Enfin, l'idée, c'est qu'ils mettent tous en lien le sport et la transition écologique. Bon, là, j'aurais pu en mettre plein, hein, des petites images, mais c'était juste pour montrer déjà les premiers liens qu'on peut faire entre ces deux vastes sujets. Et donc, comme tu disais, Fanny B, hein, donc le t-shirt, déjà, quel lien avec le sport? Déjà, enfin, le t-shirt, c'est l'habillement avec un grand H, hein. On a tous besoin de tenues pour pratiquer convenablement, hein, que ce soit des chaussures de sport, un jogging. Donc, c'est nécessaire à la pratique sportive, mais c'est aussi un outil de com, hein, pour les sponsors notamment. Et ça peut être aussi un outil qui permet aux sportifs de s'identifier, d'appartenir à la même équipe à travers les maillots, par exemple. Et effectivement, en fait, là, on peut faire le lien, c'est que l'industrie du textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. Derrière celle du pétrole. Et finalement, un basique t-shirt en coton blanc, ça représente 2495 litres d'eau, donc c'est une estimation. Et ça montre qu'avant qu'on porte le t-shirt, il porte lui-même ses propres impacts. Et donc, quel lien à faire en fait avec l'association sportive? Il y en a plusieurs, mais moi, si je peux en donner un, par exemple, c'est quand on va organiser un événement sportif, une manifestation. Voilà, une petite fête, on va pouvoir mettre en place une collecte, donc des systèmes de collecte. Ça fonctionne très bien généralement. Et donc, l'idée, ça va être de collecter des vêtements et puis potentiellement de se mettre en lien avec des associations qui, elles, vont les récupérer pour soit les redistribuer, soit les upcycler. Donc, l'upcycling, c'est un petit terme un peu à la mode, mais en fait, ça implique une transformation d'un produit pour lui donner plus de valeur ajoutée. Donc là, j'ai mis un peu l'image de la chenille qui devient papillon, et c'est vraiment ça. Et par exemple, il y a une association qui s'appelle Chaussettes Orphelines, donc qui est une association qui récupère que des chaussettes, donc que ce soit des chaussettes trouées, des chaussettes qui se retrouvent toutes seules après la machine à laver, ça arrive très souvent. Et donc, elle les récupère et elle les. Finalement, elle les. Elles enlèvent tous les petits fils et elle les reconstitue pour en faire des écharpes, des sacs. C'est assez impressionnant ce qu'ils font et ils travaillent pas mal avec les assos sportives. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple d'action qui peut être mise en place à partir des t-shirts. Plus en gym, on en retrouve beaucoup dans les gymnases des chaussettes qui traînent. On se dit, ils sont repartis pieds nus ou sans chaussettes dans leurs chaussures, mais ça arrive régulièrement que dans le bac à vêtements, on retrouve des chaussettes. Et du coup, on ne sait pas quoi en faire de ces chaussettes. Bah Donc. Et ensuite, l'abeille, effectivement, tu avais bien vu, Fanny, bon, j'ai mis l'abeille, mais cette abeille, elle représente la biodiversité. Déjà, elle-même, c'est un peu l'emblème de la biodiversité, parce que sans abeille, je crois que c'est 75% de nos fruits n'existeraient pas aujourd'hui. Donc, c'est elle un peu qui garantit cette biodiversité. Mais aussi la biodiversité, sans le savoir, si on peut faire du sport aujourd'hui dans un environnement sain, c'est grâce à elle aussi. Elle nous a des services gratuits et silencieux, comme le fait de disposer d'un air sain, d'eau potable, de pouvoir s'habiller, de pouvoir manger. Enfin, tout ça, c'est quand même grâce à cette biodiversité dont on fait partie. Hein, ça, c'est important de le préciser. Et donc, moi, là où je vois le lien en fait avec le sport, en particulier les sports d'extérieur, hein, c'est que pour moi, ces associations de sport en extérieur, ça peut être du sport en intérieur aussi. Elles ont la possibilité de sensibiliser leurs pratiquants à des gestes et comportements qui vont permettre de préserver cette biodiversité. Donc, quand on fait du sport en ville, il y a une biodiversité qui nous entoure, il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a des rongeurs. Donc, déjà, c'est, je pense, le premier point le plus important, c'est de connaître cette biodiversité. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé les outils UFOLEB sur la biodiversité et les activités sportives. On a vraiment référencé par zone de pratique, que ce soit zone urbaine, zone aquatique. La biodiversité qu'on peut être amené à croiser, bon, c'est non exhaustif, on a quand même des exemples un peu emblématiques de cette biodiversité. Une fois qu'on en a connaissance de cette biodiversité, comment est-ce qu'on la préserve? Donc ça, c'est vraiment, mieux on la connaîtra, mieux on pourra la préserver. Et moi, là, je ne l'ai pas intégré, mais il y a aussi des activités que je trouvais hyper intéressantes qui peuvent être mises en place dans des associations sportives, ce sont les sciences participatives. Donc le Muséum d'histoire naturelle, qui est un peu l'institut référent de la biodiversité en France. Il a mis en ligne une plateforme, donc je l'enverrai dans le chat à la fin du webinaire. Si j'oublie, je pourrais vous l'envoyer par mail, mais j'espère ne pas oublier. Et en fait, on peut retrouver sur cette plateforme
des appels, des sortes d'appels à projets, mais c'est plutôt des observatoires où n'importe qui peut se positionner. Donc, ça peut être des appels nationaux ou très locaux. Et en fait, c'est des laboratoires scientifiques qui manquent de données aujourd'hui sur les espèces et qui demandent à des citoyens, qu'ils soient initiés ou non, de participer en fait à la collecte de ces données. Et donc, à travers une activité sportive, on peut tout à fait collecter ces données. Donc, par exemple, il y a un programme qui s'appelle BioLit, qui est donc en fait un programme qui s'oriente sur la biodiversité du littoral. Et donc, il se réalise toute l'année. Et comment on y participe? Ben, il suffit juste d'avoir un smartphone, par exemple, et de marcher ou de courir sur la plage. Et à partir du moment où on tombe sur une espèce, de la photographier. Et on peut l'envoyer directement au laboratoire via l'application. Et ça permet vraiment d'influencer sur les politiques d'aménagement, derrière, d'avoir des éléments concrets pour préserver la biodiversité locale. Donc ça, c'est les outils dont je vous parlais précédemment. On a donc 6 fiches spécifiques sur la biodiversité et le sport par zone de pratique. Et on a un guide qui vient un peu approfondir chacun des points qu'on voit dans chacune des fiches. Donc la ville, par exemple, on a un onglet sur toutes les actions vertueuses qui peuvent être mises en place dans la ville pour préserver la biodiversité, les politiques d'aménagement. Par rapport à l'eau, on a aussi un point sur les microplastiques, la pollution invisible. Donc, ça vaut le coup d'y faire un tour. Tout est disponible sur le site de l'IFOLET National. On en arrive à l'avion. Je ne vais pas tous les faire. Hein, là, c'est le dernier. Mais en tout cas, Fanny, tu avais bien fait le lien avec les autres aussi. Donc l'avion, c'est quand même une prouesse technique qui nous permet, en tant que sportif, d'aller rencontrer d'autres sportifs dans le monde entier. Ça permet aussi d'organiser les Jeux Olympiques, des compétitions d'ampleur. Donc c'est quand même, pour ça, on peut dire que c'est une prouesse. Néanmoins, c'est effectivement un transport très émetteur de gaz à effet de serre, l'un des plus émetteurs d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, là où je fais lien avec les assos sportives et les transports, c'est que je crois que les associations sportives, aujourd'hui, elles ont le pouvoir de privilégier la mobilité douce et d'encourager les licenciés à pratiquer, soit à emprunter, à se déplacer à vélo, soit à emprunter un transport en commun. Dès que possible, je suis consciente que quand on est une asso sportive en zone rurale, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours simple, il n'y a pas toujours des aménagements qui sont mis à disposition. Mais en tous les cas, quand c'est possible, je pense que ça peut se faire. On peut, par exemple, le promouvoir pour montrer que ça peut être un échauffement avant la pratique. On peut aussi organiser ça sous forme de jeu. Donc, pour ça, je l'avais dressé rapidement, mais on peut, par exemple, former comme un genre de tableau à remplir par les licenciés ou les bénévoles qui souhaitent pour organiser une sorte de vélo-bus pour les pratiquants cours à la même heure. Je pense que ça peut être sympa aussi de se motiver, d'y aller ensemble et d'avoir ce petit tableau à disposition. Je pense que ça peut être assez sympa. On peut aussi faire, à mon avis, un système de jeu où on aura des équipes en fait qui vont un peu s'affronter, avec un système de points en fonction des kilomètres parcourus, de la fréquence aussi du vélo. Je pense que voilà, c'est des petits moyens aussi de mettre en jeu pour favoriser cette mobilité douce. Est nécessaire pour lutter contre la sédentarité également. Aussi, et pour la mobilité, je terminerai par ça, quand on organise des événements sportifs, donc quand on est une association sportive et qu'on organise un événement, on peut aussi privilégier cette mobilité douce en proposant par exemple aux participants des plans de covoiturage, pareil, en faisant des tableaux. Bon, ça dépend aussi si on a les noms avant de chacun. On peut aussi offrir des bons pour la buvette aux personnes qui viennent en transport en commun, qui gardent leur ticket de bus ou qui viennent à vélo. Enfin, voilà, ça peut être aussi des incitants pour se rendre à l'aide d'un plan de mobilité douce pour rejoindre l'événement. Et enfin, on peut aussi, ça c'est un conseil qui peut être pas mal, mais peut-être que vous le faites déjà aussi et c'est tant mieux, mais de partager les plans de circulation de la ville quand vous organisez un événement. Le communiquer à travers votre événement, sur votre site internet, enfin, tout dépend de comment vous communiquez autour de votre événement, mais je pense qu'au moins d'avoir connaissance comment le système de mobilité s'organise dans la ville ou dans l'espace où vous organisez votre événement peut être un moyen aussi d'éviter de prendre sa voiture individuellement. En parlant d'événements, je partage aussi ce petit guide. Donc, c'est pas un guide du FOLEP, c'est un guide qui a été créé par l'association Zero Waste.
Donc elle, c'est une grosse association qui a des antennes un peu partout en France et qui promeut la démarche zéro déchet. Donc là, c'est même pas le recyclage, c'est vraiment comment est-ce qu'on limite au maximum la production du déchet à la source. Et donc, je vais aller dessus. Est-ce que vous le voyez bien? Non. Non? Alors, attendez. Fermez mon écran. Tac. Et je vais relancer le partage. Fanny, n'hésite pas, si tu as des questions, hein, au fur et à mesure de... N'hésite pas à m'arrêter. Je suis bien, là, je suis. Je note en même temps. Ah, nickel. Top. Alors, attends, je vais du coup aller sur... Attends, je vais essayer comme ça. Tac. J'avais une question, Léna, de curiosité. Est-ce qu'on a des stats un peu sur comment la plupart des gens vont à leur entraînement ou à leur séance de sport? Est-ce qu'ils y vont plutôt en vélo, plutôt en voiture, plutôt à pied? Je le mets en relation avec, là, pour le coup, des stats qui montraient que les licenciés choisissaient... leur club et leur activité, notamment en lien avec la proximité de leur domicile. Que certes, l'activité les intéresse, mais qu'on regarde toujours en priorité ce qu'il y a autour de chez soi. Donc, je me dis que ça se combine quand même plutôt bien avec l'idée de venir à vélo. Après, il y a toujours l'histoire de l'aménagement pour entreposer son vélo, quoi. Donc, je ne sais pas si beaucoup de les plus récents gymnases, j'imagine, qui sont aménagés, mais est-ce qu'on sait, par exemple, le pourcentage aussi de stades de foot ou de gymnases qui ont des accroches vélo on sait ce genre de données ou pas trop? Déjà, je ne savais pas que c'était la proximité qui encourageait à choisir son assaut, donc ça, c'est super. Moi, je n'ai pas ces données-là. Il faudra que je recherche si ça existe. En revanche, c'est l'Institut des mobilités, je crois, qui a fait un travail de 3 ans sur l'étude des freins à la mobilité douce, notamment chez les Français. Et je sais qu'en tout cas, il y avait une barrière à partir de 9 km. Si vraiment la distance entre son lieu de vie et par exemple son travail allait au-delà de 9 km, mm-hmm. Finalement, c'était un vrai frein à la pratique du vélo. Mmh. Mais en tout cas, j'ai pas de données et je regarderai pour voir si effectivement ça existe. Ça pourrait être pas mal de compléter ça avec la présentation. Et du coup, Fanny, donc ça c'est le petit guide. Vous le voyez bien là maintenant, le guide? Oui. Ouais, top. Okay. Donc c'est un guide qui a été créé par un groupe de travail de l'association Zero Waste, qui est vraiment destiné au sport. C'est vraiment un groupe qui travaille uniquement sur le sport. Et donc, ils ont réfléchi à comment est-ce qu'on peut construire, enfin, vraiment créer un événement de A à Z qui privilégie cette démarche qui est le zéro déchet. Et du coup, c'est un guide qui est vraiment très bien fait. Donc là, ils expliquent un peu, ils donnent un peu des chiffres sur les déchets en fonction de la taille des événements, bien sûr. Qu'est-ce qu'un événement de taille moyenne ou grande génère en matière de déchets? Donc là, on a un peu d'infographie. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment 12 actions très concrètes qui permettent un peu de passer en revue point par point son événement et les clés d'action en fait, hein, pour chacun de ces points. Et donc, c'est bien parce que vraiment, ils mettent aussi des exemples très concrets d'associations sportives qui, elles, ont mis en œuvre cette action qu'ils présentent. Donc là, voilà, typiquement pour réduire le plastique, je passe à l'eau du robinet. Mais bon, en fonction, bien sûr, si l'eau est potable. Hein, je sais que dans certaines zones rurales, notamment... ce n'est pas toujours aussi simple. La suppression de la vaisselle jetable aussi, notamment les éco-cups, hein, ça c'est assez répandu. Voilà, limiter ses emballages. Mais en fait, on se rend compte que quand on veut réduire le déchet, ça vient toucher à plein de points. Hein, l'alimentation, les transports aussi, voilà, les dossards et les puces, ça, c'est aussi un sujet. Les tenues, les goodies, hein, voilà. Et ça retrace bien tout ça. Donc, c'est pour ça que je le conseille généralement, les toilettes sèches aussi. Bon, voilà, ça va aussi assez loin, hein, dans les conseils. Mais je crois que c'est un bon document que je conseille. Voilà. Et à la fin, quelques références sur les acteurs du zéro déchet pour si on souhaite un peu approfondir cette thématique. Je vous enverrai le lien aussi dans le chat. Hop. Ok, merci. Super. Donc, alors, on a bientôt une association qui va venir intervenir pour présenter un peu, elle, son expérience.
Mais ce qui est intéressant, en fait, quand on parle de transition éco, là, je vous ai fait un genre de petit schéma, mais c'était pour montrer que, bah, en fait, le lien entre le sport et l'écologie, c'est une sorte de toile d'araignée, en fait. Hein. On ne parle pas uniquement d'environnement, de nature. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très global. On touche à la fois à l'alimentaire, les loisirs aussi, le numérique, qui est une vraie question émergente aussi. La question autour de l'utilisation du numérique et les impacts que ça génère. Enfin, ça, c'est aussi un sujet qui est très important et qui commence à prendre de l'ampleur. La santé aussi, puisque ben, comment est-ce qu'on peut pratiquer un sport dans un environnement qui n'est pas sain ou un environnement où il fait plus chaud. Voilà, par contre, Léna, oui, on ne voit pas ton schéma là. Ah, vous ne voyez pas mon on schéma est sur la page Zoom. Non, pas de mal. Merci, merci. Ouais. Effectivement, je n'avais pas vu. Pas de mal, pas de mal. Alors, je vais retourner sur mon petit schéma. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, vous le voyez? Nickel. Yes. Super, voilà. Merci. Donc, ce n'est pas vraiment une toile d'araignée. Hein, je vous ai... voilà, je n'ai pas de grand talent en dessin. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a une telle globalité qu'en fait, quand on dit qu'on ne fait pas de transition éco, bah, généralement, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois qu'on en fait tous un peu à notre échelle. Et je crois que aussi, quand on souhaite résoudre un enjeu, que ce soit à l'échelle du sport ou vraiment de la société sur la transition écologique, il ne faut pas uniquement venir appuyer ou cibler un sujet puisque tout est interrelié. Donc nécessairement, si on agit sur l'alimentaire, ben, on agira sur la biodiversité aussi puisque si on privilégie sur son événement sportif l'alimentation proximité en vrac, ben, on va venir aussi favoriser la biodiversité locale. Voilà, donc je pense que voilà, tout est interrelié et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce sujet, mais aussi sa complexité. Donc voilà. Peut-être en attendant l'association de cœur, je vais peut-être moi partager l'expérience du club de GRS de Brimont, donc qui n'a pas pu être présent ce soir et du coup ils m'ont envoyé eux ce qu'ils mettaient en place. À leur échelle, donc je vais retransmettre ce qu'ils m'ont envoyé, mais en tout cas, peut-être si vous souhaitez avoir plus d'informations, je leur demanderai s'ils sont d'accord qu'on partage leurs contacts. Excusez-moi. Et du coup, alors cette association, donc elle s'est lancée en fait récemment, c'était l'année dernière, je crois, hein, avant le Covid. Dans la récolte d'objets de la vie courante, ils se sont dit, si on commençait à collecter des objets, des stylos, des feutres, des tubes de colle. Eux, ils accueillent des publics scolaires, donc ils se sont dit que ça pouvait être une idée assez intéressante. Et donc, ils ont essayé de le faire, ça a plutôt bien marché. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une entreprise qui collectait ce type de matériel de la vie courante, hein, vraiment de toutes catégories confondues, qui s'appelle TerraCycle, qui est une entreprise américaine à la base, hein, mais ils se sont développés en Europe. Et du coup, ils ont créé un partenariat où ben, cette association de GRS collecte tous ces biens de la vie courante et ils les envoient en fait à cette entreprise qui va être en charge de recycler tous ces petits produits pour en faire de nouveaux produits. Donc, je sais qu'ils font vraiment plein de choses comme des tables de jardin, ça peut être assez varié. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà, bien sûr, du geste environnemental, ils vont cumuler des points. Donc, le club de GRS, en fonction du poids envoyé, ils vont vraiment accumuler un système de points. Et à partir du moment où ils accumulent un certain nombre de points, donc je n'ai pas le chiffre exact hein, en tête, eh ben, ils vont obtenir un équivalent en euros qu'ils vont pouvoir directement verser sur le compte de l'association. Et ben, en fait, grâce à ça, je sais qu'aujourd'hui, l'association finance l'achat de matériel et le développement de nouvelles activités. Donc, en fait, c'est un peu un win-win. Voilà. C'est à la fois, je ne suis pas toujours d'accord avec le concept de développement durable qui fait à la fois du social, de l'économie, de l'écologie, mais je crois que là, on est un petit peu dans ce schéma-là où on arrive un peu à concilier les trois. Et donc, voilà. Et puis, en fait, le club, il n'en est pas resté là. Il a aussi commencé à entreprendre des partenariats pour collecter avec la mairie de Brimont et certaines écoles. Il faut aussi de l'incitation, notamment sur les événements, à prendre des gourdes et des grandes bouteilles plutôt que des canettes pour les événements. Donc là, ça rejoint un petit peu les actions zéro déchet qui sont promues par l'association Zero Waste.
Et enfin, une dernière action qu'ils mettent en place, enfin, qu'ils m'ont partagée du moins, c'est qu'ils ont récemment proposé de réaliser des gourdes au logo du club, puisqu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème de bouteilles individuelles qui sont jetées. Et en plus de ça, elles ne sont pas bues en entier. Donc, on a vraiment à la fois du gaspillage de plastique et d'eau. Et donc, ils en ont assez marre de ramasser les bouteilles et de constater ce gaspillage. Et donc, eux, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre créer des gourdes qui sont vraiment qui portent le logo du club. Donc, voilà pour le partage de l'expérience de cette association. Fanny. Une petite question. C'est ce que vous appelez les objets de vie courante, c'est un peu du matériel scolaire, c'est ça plutôt? Les stylos, oui. Les... Non? Oui, complètement. Oui. Mais c'est exactement ça. Mais je sais que TerraCycle, ils collectent un peu de tout. Enfin, vraiment, pour eux, tout est recyclable. Ça, c'est un peu leur objectif. Et donc, ça peut aller très loin, vraiment. Donc, ça, c'est. Voilà, je trouve que c'était une action assez importante. Ouais, pardon, Fanny. Ça se fait du coup sur. Ça se fait exclusivement sur le territoire de la GRS, là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt national, leur mode de fonctionnement? Ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs. Hein. T'en as déjà. Ça me dit quelque chose, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ben, alors, moi, c'est le. Je sais que eux, TerraCycle, ils agissent dans le monde entier. Hein. Ils travaillent à la fois avec des grosses entreprises. Comme L'Oréal ou alors des petits assos. Mais en tout cas, dans le cadre du Follep, moi, je n'avais jamais entendu parler d'une asso qui avait travaillé avec TerraCycle. Mais si Fanny B, tu me dis que ça dit quelque chose, c'est... Pas au niveau des assos, mais au niveau des écoles ou des choses comme ça, oui, ça me dit quelque chose. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. C'est intéressant. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Si en plus, tu peux avoir une rentrée d'argent derrière, c'est... Oui, en plus, c'est le... C'est le double win-win. C'est le win-win, oui. Qui met encore plus la carotte pour faire ce genre de démarche. Ouais, exactement. Mais, en tout cas, sur la gourde, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée parce que de base, quand les clubs, notamment les clubs de gym, ils proposent à la vente un petit sac ou le juste corps ou même un t-shirt, etc. Généralement, les adhérents, ils sont quand même réceptifs à ce genre de produit. Et du coup, l'idée de se dire on va proposer un produit à la vente dérivé du club qui soit la gourde qui est utilisée en fait vraiment à chaque entraînement pour la plupart, même s'il y en a qui vont boire à l'évier, mais enfin il y en a quand même pas mal et là surtout avec cette période qui vont avoir une gourde, je trouve que c'est vraiment penser à un produit dérivé vraiment important. Et j'avoue que moi j'avais jamais réfléchi à l'idée qu'une bouteille en plastique c'était gaspiller du plastique mais aussi de l'eau. J'avoue que j'avais jamais eu ce raisonnement, mais maintenant que tu le dis, c'est clair qu'à la fin des cours, notamment avec les petits, tu ramasses tout le temps plein de bouteilles et effectivement, elles sont toujours à moitié pleines, quoi. Oui, tout à fait. Et t'imagines si tu commences à remplir tout dans une même bouteille, enfin, je pense que tu remplis un bac. Ouais, mais ça, justement, tu vois, je trouve que c'est des choses qui peuvent être des tips intéressants pour sensibiliser les enfants. Tu vois, mettre un bidon ou un truc, peut-être dans une forme rigolote, je sais pas, un contenant, oui. Tu vois, devant le gymnase, et tu leur expliques en fait la démarche. Tu leur dis qu'à chaque fois qu'on retrouvera une bouteille, on versera l'eau de la bouteille dans ce truc. Et en fait, je me souviens, ça me rappelle aussi un... Ça s'appelle comment les jeux ou les méthodes pour sensibiliser comme ça les enfants, je sais plus, bon bref. Et c'était dans une cantine où en fait les enfants quand ils jettent le déchet de nourriture qu'ils ont pas consommé, en fait ça rentre dans une poubelle où il y a une balance en dessous de la poubelle. Et en fait ça pèse et du coup tous les jours les gamins quand ils vont jeter leur nourriture, ils voient le poids en fait total de tout ce qu'ils ont jeté dans la journée. Enfin, pendant le repas, les enfants, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est bien quand il y a des, je sais pas, des jauges ou des trucs. En gros, c'est bien quand tu peux avoir qu'un sourire content quand tu es à zéro, mais montrer, tu sais, aujourd'hui, c'est catastrophique. Enfin, voilà quoi. Je trouve que c'est des bons systèmes de sensibilisation faciles à mettre en place et bien efficaces, quoi. Complètement.
Et je trouve quand c'est imagé, quand c'est concret, c'est là que ça parle le plus. Enfin, je pense aussi à travers le sport, il y a un besoin que ce soit un peu, un minimum concret aussi. Donc, ouais, carrément. Fanny, comme la personne de Corse n'est pas là, est-ce que je continue ma présentation? J'ai juste peur qu'il arrive au bout, enfin, tu vois, sur l'instant et que... En cours. Bah, comme tu préfères, soit Fanny, ou ouais, peut-être que tu veux J'ai réagir. Une petite question par rapport justement aux gourdes. Oui. Parce que souvent, ce qui va être recherché quand même par un club, c'est de faire un objet pas forcément trop cher pour les familles à acquérir. Et forcément, on va se tourner vers le plastique, en fait, sur la gourde, alors que ce n'est pas forcément la plus hygiénique. Alors, c'est vrai que du verre, ça ne va pas être possible parce que dans les gymnases, ça va être quelque chose de compliqué. Mais je ne sais pas sur quel matériau, en fait, à la fois de manière écologique et hygiénique, on peut travailler plus que le plastique, quoi. Ouais, c'est vrai que le plastique. L'inox, ça va être beaucoup plus cher et voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent exister aussi avec cette démarche-là qui accompagne? Mais voilà, vu qu'on cherche quand même à réduire un peu, voilà. Si on propose à 15 euros, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui achète une. Non. Mais voilà, c'est non, toujours non. Ce problème. Ouais, moi je trouve. Enfin, le plastique, c'est vrai que c'est un vrai sujet et parfois. C'est assez trompeur parce que là, on va le voir après au sujet du réemploi. Parfois, on pense qu'il y a certains matériaux qui vont être un peu plus écolos, notamment des matériaux qui sont, comment dire, qui sont obtenus à partir de restes alimentaires. Vous savez, c'est assez à la mode tout ce qui est biocarburant, enfin, voilà, tous les restes alimentaires, quand on va venir traiter un peu, par exemple, la betterave ou le maïs, enfin, on va récupérer la matière et à partir de ça, on va pouvoir aussi obtenir des matériaux solides pour créer des objets. Et en fait, on se rend compte des fois que ce n'est pas forcément le mieux parce que la production de laquelle il a été issu, c'était une production qui était hyper impactante pour la biodiversité parce qu'on a parfois on a juste des cultures qui sont destinées à ça, donc on se rend compte que finalement la perte elle est importante parce qu'on aurait pu aussi consacrer un champ alimentaire à destination des populations. Et en fait, Léna, le plastique, je te coupe juste parce que l'association est là, donc ah je oui, la... super, enfin merci, je l'admets. Ouais, bah parfait, c'est super timing. Alors attends. Est-ce que l'UFOLEP peut proposer un partenariat avec une entreprise groupée des achats, par exemple? On en reviendra après, hein, mais voilà. Ouais, est-ce ouais, que ça ouais. peut être une idée avec le logo UFOLEP? Et en fait, c'est vous qui centralisez et après, on aurait des meilleurs prix peut-être aussi et des produits sympas. Mais à revoir. Ouais, on en parle après. Là, on accueille donc Jonathan. Bonjour, vous nous entendez bien? On n'a pas le micro. Oui, vous n'avez pas le micro. Alors, attendez, je vais vous demander de réactiver. OK. Oui, c'est bon, on vous entend bien. Oui, super. Fanny, est-ce que toi, tu aurais le PowerPoint par hasard avec toi ou pas? Si tu peux juste le lancer. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous représentez l'école de natation de Corse. Hein, c'est ça, école de natation Rive-Sud, oui. Super. Super, super. Donc, voilà. On est en train Allez. De parler de plastique, mais là, on va lancer votre présentation. Voilà, voilà je vais peut-être essayer arrêter d'être, mon... d'être... Voilà, je vais essayer d'être bref et concis. Super, merci Fanny. Voilà. OK. Donc, l'école de natation Rive-Sud a été créée donc, en 2018. Et donc, on a lancé le Recyclared. Donc, le Recyclared, c'est la première épreuve sportive non compétitrice à but environnemental et qui a été inscrite en fait à l'UFOLEP. Donc, le principe était simple, c'était réunir donc les plongeurs sous-marins, les nageurs en mer, les kayakistes, les apnéistes, les randonneurs et les trailers. Et donc, comme une véritable épreuve sportive, eh bien, en fait, il a fallu travailler avec les arrêtés préfectoraux, les arrêtés communaux, parce que du coup, comme on allait en mer et sous-mer, il a fallu aussi engager la DDTM et le CROSS ainsi que la SNSM.
Voilà. Et donc, tout cela mis en place, il y a eu un départ donc à une heure donnée. Et au bout d'une heure, ben, les personnes devaient revenir avec un maximum de déchets, tant sous l'eau que sur l'eau, que sur le littoral. Et il y avait des zones dites de difficulté. Zone 1 pour les enfants, zone 2 pour les sportifs moyens, etc. Et zone 7 pour les plongeurs sous-marins confirmés et encadrés. Voilà. Alors c'est moi qui fais avancer. Ah, d'accord. C'est moi qui fais avancer le PowerPoint. C'est ça ? Vous le voyez, le PowerPoint ? Oui, on le voit, mais je sais pas si vous avez la main pour le faire avancer. Ou est-ce que c'est toi, Fanny ? Moi, j'ai cliqué un moment et du coup, je ne sais pas si ça a créé de la confusion par rapport au fait de savoir si vous avez la main ou pas. Mais d'accord, bon, allez, on va le faire dans l'ordre. Hein. Bon, l'école de natation Rive-Sud, du coup, est partie de l'idée de faire de l'éducation physique utile et adaptée, et adaptée aussi à l'environnement. Donc, prendre soin de soi, partager avec les autres et préserver l'environnement. Donc, l'école de natation Rive-Sud est devenue Ascola di Douman. Donc, on peut avancer. Voilà, trois principes de l'école, prendre soin de soi, partager avec les autres et préserver l'environnement. C'est de là, du coup, le principe, le sport nature, un sport vert pour ma planète. On peut avancer. Voilà, donc là, on voit les sept cycles éducatifs et pédagogiques que l'on retrouve au sein de Ascola di Douman. Hein. Donc là, on peut avancer. Voilà. Donc, l'école, en fait, s'est équipée d'un bateau, d'accord, qui s'appelle le Petit Prince de Méditerranée et qui est ambassadeur Pélagos, donc du sanctuaire Pélagos. Donc, le bateau va abriter l'école de natation, c'est-à-dire à bord du bateau, eh ben, l'école de natation, ben, ça sera le bateau, en fait. Donc, ça sera un tiers-lieu flottant. Il y aura une école de natation, une unité de plongée sous-marine, une école de voile et une unité Staréso pour des prélèvements scientifiques. Voilà, à la demande des acteurs locaux, services d'État et autres. Alors, on peut avancer. Voilà, donc ça, c'est le Petit Prince de Méditerranée en rouge à gauche. Et là, il a été restauré avec une autre association d'étudiants en université sur Corté. Et donc là, vous le voyez maintenant à droite, il se prépare à une mise à l'eau ben, pour ses opérations. Il y a un cinéma à bord. Donc, tout a été enlevé et donc vous avez des assises tout le long de chaque côté. Donc, on peut accueillir 20 personnes au total, 10 de part et d'autre, avec un écran géant à l'intérieur. Et sur l'extérieur, ça sera le cinéma de plage. Donc, le bateau se mettra donc à 10 mètres du ponton. Donc, on pourra voir en diagonale, à la fois sur la plage et sur le ponton, il y aura un écran qui va être tiré sur le mât. Voilà, il y a un rétroprojecteur sur l'avant du bateau et ça sera le cinéma de la préservation de la Méditerranée. Voilà, donc là, on peut avancer. Voilà, on peut avancer encore. Voilà, donc les différentes actions, hein, bateau zéro déchet, autonomie nutritionnelle embarquée, nettoyage entre terre et mer, collecte de données scientifiques, Staréso, conférence sur le sanctuaire Pélagos, éducation à la faune et la flore sous-marine du littoral, rencontre avec les mairies et les structures, un éco-festival, revalorisation des déchets non recyclables, c'est-à-dire en matière comme des briques de construction, etc., et le Tour de Corse en 80 tours. Et tout ça est lié à chaque fois en mêlant les clubs sportifs et associations qui sont autour de la natation, de la plongée sous-marine, du nautisme, à savoir paddle, canoë en mer, etc., randonneur, trailer, marche nordique. Donc, tout ce qui peut tourner autour du fond sous-marin, du littoral, ben, on peut engager, voilà, on peut faire ce genre d'action qu'on a appelé Recyclared. Voilà, donc, vous avez une petite vidéo qui vous sera peut-être transmise. Parce que moi, je dois y aller dans une minute parce que j'ai un cours qui commence. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous... Voilà, donc après, voilà, je ne peux pas continuer, je suis désolé. Oui. Mais si vous allez sur YouTube, vous tapez Recyclared, hein, R-E-C-Y-C-L-A et RED, R-A-I-D, voilà, Recyclared 2019, et ben vous verrez, voilà, cette action qui était menée avec Recycla Corse, mais c'est l'école de natation Rive-Sud qui en est... commune.
Voilà. Et sur le Petit Prince de Méditerranée aussi, il y a un article de journal quand on tape sur Google, etc. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Enchanté de vous avoir rencontré. Et à bientôt, je retourne dans mon cours. Très bien, bon courage, merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Alors, qui va se déconnecter. Voilà. Du coup, c'était un bon exemple. Il y a quelques photos d'illustration peut-être sur la suite du PowerPoint que je peux vous, vous partager qui sont. Oui, oui, ouais, avec plaisir. Du coup, pas mal illustratives. Ah oui, yes. Alors, est-ce que vous voyez en bonne qualité? Parce que moi, j'ai un problème de qualité. Non. Non, ouais. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu à un moment donné, ça a sauté là. Et ok. Du coup, c'est un peu instable. Oh, là, on voit un petit peu mieux, oui. Oui, c'est bon. Ok. Ok. Non, non, top, top. C'était intéressant, ouais. Et original comme approche. Donc, voilà, c'est vraiment des exemples qui montrent qu'en tant qu'asso sportive, on peut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps d'une manière comme on l'a vu là avec Jonathan, comme on l'a vu avec l'association de Brimont. Donc, en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de le faire. C'est le champ des possibles est très vaste. Et moi, j'ai envie de dire, vive la créativité aussi. Du coup, je vais repasser sur mon PowerPoint. Hop, je le partage. Et du coup, je reviens sur mon petit diapo. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, on a parlé de réemploi. En fait, là, je vais consacrer cette dernière partie à justement cette idée du réemploi. J'aimerais bien un peu vous faire réfléchir sur ce concept, parce qu'on l'entend pas mal, c'est à la mode. Et je pense que généralement, quand on est une association sportive ou autre, hein, et qu'on commence à s'intéresser à la transition écologique et qu'on commence un peu à se questionner sur ce qu'on pourrait faire à son échelle, en interne, eh ben, souvent, cette question de réduction des déchets, elle revient très souvent, souvent en premier d'ailleurs. Donc, mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est que en fait, généralement, l'impact d'un produit, donc un produit, bon là j'ai une tasse par exemple, mais j'ai un téléphone, ça, je crois que c'est un peu plus significatif, il est généré non pas pendant l'utilisation, bien que l'utilisation du téléphone, ça va générer l'utilisation de données, enfin il y a toute une problématique derrière, mais on ne va peut-être pas rentrer dans les détails ce soir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que le principal impact, enfin l'impact le plus important, il a lieu avant. Donc avant que vous disposiez de votre téléphone ou de votre tasse. Et donc, je pense que l'idée, parfois, c'est pas uniquement penser comment je peux annuler mon impact, mais plutôt comment est-ce que je peux l'optimiser. Maintenant qu'il a été, que cet impact il a été réalisé, comment je l'optimise et comment je fais en sorte qu'il se reproduise le moins possible. Et donc, c'est pour ça que finalement, le réemploi, c'est super intéressant. C'est parce qu'on va vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on optimise l'impact qui a été produit. Et donc, avant d'en parler un petit peu plus, je vais vous montrer une petite vidéo qui retrace l'histoire d'une petite cuillère en plastique. C'est une vidéo qui a été faite par Greenpeace. Je ne sais pas si tu la connais, Fanny S. Non. Ah non, je te voyais sourire. C'est une vidéo en anglais, mais c'est très imagé. Enfin, je crois qu'il y aura... Ah oui, ah non. Je vais arrêter le partage et puis je vais refaire mon partage en vous montrant la vidéo. Juste, il faut que je trouve la bonne page. Hein. Tac, tac, tac. Attends. Je vais faire ça. Tac. Désolée, les petits bugs du direct. Hop. Donc là, je vais revenir. Comment je fais? Je suis un peu partagée. Ah voilà, c'est bon. Hop. Est-ce que vous avez bien l'écran, la vidéo qui s'affiche? Ok, je vais lancer. Si vous n'avez pas de son, vous me dites tout de suite. Hein. The cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born, Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat
the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals, they all live and die. And each year, the dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid, oil. Humans are alive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid, and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open, and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go, liquefied. They're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship. And ship, the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room, where it sits for 2 months until you select it and pay for it with the money you've worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? Donc juste à la fin, il dit est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment le coup non, est-ce que vous pensez que c'est vraiment trop d'effort d'utiliser une cuillère en métal que vous allez juste laver pour montrer en fait tous les efforts qu'il a fallu mobiliser en amont pour juste cette petite cuillère en plastique qui va être peut-être utilisée qu'une fois et être jetée. Et donc c'est là aussi que je trouve que c'est intéressant, c'est tout ça c'est invisible hein, donc forcément s'en rendre compte c'est pas évident, mais en tout cas c'est un fait. Et c'est là où le réemploi a vraiment un rôle à jouer. Alors, je vais juste repartager de nouveau mon écran. Tac. Et je vais retourner sur mon PowerPoint. Excusez-moi. Hop. Ça n'a pas fonctionné. Qui était ici? Okay. Qui était là? Voilà. C'est bon. Donc, quand on parle d'optimiser l'impact qui a déjà été produit, ça signifie par exemple, OK, sur mon événement sportif, j'ai envie de réduire le nombre de déchets et donc je vais réduire la vaisselle qui est réutilisable. Et généralement, quand on pense à ça, on pense surtout à l'éco-cup, donc l'éco-cup qui se verre très solide, que généralement on utilise sur quasiment tous les événements. Maintenant, on a des éco-cups qui sont datés, qui portent le logo de l'événement. Sauf qu'en fait, là où c'est trompeur, c'est donc il y a cette phase en amont qui est très impactante, mais là où c'est trompeur, c'est que finalement, ça va dépendre aussi du nombre d'utilisations. Donc, je vous disais, il faut optimiser l'impact. Et ben, pour optimiser l'impact d'un objet, il va falloir l'utiliser. Parce que si on l'utilise qu'une fois et après on le range dans un placard, ben, finalement, on n'est pas forcément gagnant. Donc, il y avait vraiment une étude qui avait été conduite par l'association WWF qui se demandait dans quel cas c'est plus cohérent d'utiliser des éco-cups et dans quel cas c'est plus cohérent d'utiliser des verres en plastique jetables. En fait, ce n'était pas si simple. Il montrait vraiment que si l'éco-cup avait pour objectif d'être utilisé qu'une seule fois, parce qu'il est daté, donc il n'est plus utilisable, parce que c'est un goodies et donc généralement, les gens vont soit le mettre dans un placard, soit... finalement, on n'était pas gagnant. Donc vraiment, ça, c'est un chiffre assez clé, mais c'est valable pour plein d'autres choses aussi. Si on souhaite vraiment rentabiliser l'impact, il faut que ce petit éco-cup, là, on l'utilise 7 fois. Et donc, c'est pour ça quand on décide d'en utiliser sur son événement, généralement, on préconise de ne pas le dater, cet éco-cup. Comme ça, on pourra le réutiliser sur les éditions suivantes. Mais par contre, attention, si c'est le cas, ça va demander un peu plus d'entretien. On a aussi des éco-cups où on a des traces de café à l'intérieur. Généralement, quand on verse du café dans l'éco-cup, ça laisse des traces et forcément, ce n'est pas très hygiénique, même si le verre est propre. C'est compliqué de proposer un éco-cup avec une trace de café au fond à ses participants. Donc, c'est aussi un choix, vraiment un choix à faire. Aujourd'hui, il y a des comités qui proposent de la vaisselle réutilisable, qui stockent dans leurs locaux de la vaisselle et qui permettent aux associations qui le souhaitent de prendre contact avec eux pour pouvoir justement emprunter du matériel pour leur événement. Donc, il y a un petit système de caution. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'actualité. Donc, moi, j'ai le comité 44 en tête. Pour le 13, je ne sais pas, mais je pense que ça vaut toujours le coup
de les appeler en cas d'organisation d'un événement pour savoir s'ils disposent ou pas de vaisselle qu'ils mettent à disposition des associations. Je suis passée trop vite. Donc, je crois qu'aujourd'hui, mener des projets… Oui, pardon, Fanny. Juste, ce matériel, ça serait l'UFOLEP, le comité UFOLEP départemental qui gérerait ça? Complètement. OK. Oui, d'accord. J'ai deux comités en tête qui, ils mettent à disposition vraiment tout le matériel pour un événement, dans cette logique justement de réduire un peu ces déchets jetables. Et pas uniquement par sport, hein. Le comité UFOLEP départemental, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, complètement. OK, ça marche. Et puis, s'ils ne le font pas, je pense que peut-être que la première association qui sollicite peut susciter l'idée aussi au comité de le faire. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter aussi à leur demander si ce n'est pas un projet que vous pourriez porter cette année, justement, d'investir dans tant d'éco-cup avec quelque chose de générique, UFOLEP. Super. Au-delà de limiter le nombre de déchets, je pense que ça peut être aussi, au niveau des coûts, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce système d'emprunt, pas devoir acheter chaque année de la vaisselle. Je pense qu'on peut s'y retrouver aussi sur cet angle-là. Je voulais dire que mener des projets de transition écologique, c'est pas facile, hein, ça peut être difficile. Moi, je préconise toujours de commencer petit, vraiment commencer de là où on en est. Déjà, faire un peu l'état des lieux sur ce qu'on fait déjà, sur ce qu'on ne fait pas, sur quoi on est bon, pas bon, et commencer petit. Et en plus, généralement, c'est des projets qui demandent de changer des habitudes. Donc, en fait, typiquement, là, l'association de Brimont qui m'a partagé un peu son expérience, une autre chose que je n'ai pas dit, c'est qu'ils ont réussi à demander au jury de venir avec leur propre sac pour leur pique-nique. Et au début, c'était non, ils n'ont pas adhéré. Et finalement, ils se sont dit, bon, allez, on va essayer, de toute manière, qu'est-ce qu'on a à perdre? Et en fait, ça a bien marché et vraiment, ils ont joué le jeu et aujourd'hui, c'est ancré dans leur pratique. Et donc, en fait, ça demande de changer des habitudes, qui parfois, des habitudes qui marchent très bien, hein, pourquoi est-ce qu'on devrait les changer? Et pourtant, ça peut être aussi une manière d'innover et d'aller vers de très beaux changements aussi. C'est l'idée de transition, hein, la transition écologique. C'est pas être dans un état stable et verdir un petit peu ses actions, c'est bien vraiment, c'est bien cette idée de transitionner d'un état vers un autre. Et donc, je pense que c'est important aussi qu'on porte ce changement d'un état vers un autre. Et donc, même s'il y a un peu de réticence au départ, je pense qu'une fois qu'on est dans cette dynamique-là, je crois pas qu'on revienne en arrière. Je pense qu'au contraire, on va plutôt vers un progrès continu. Mais ça, c'est bien sûr ce que je pense, ce que je défends. Je voulais terminer aussi sur aussi le côté plaisant des projets pour les bénévoles. À titre personnel, j'étais bénévole pour mon association de badminton sur la transition écologique, parce que j'en fais jamais assez, hein. Et donc j'ai fait une formation avec des bénévoles sur la transition écologique, comment est-ce qu'on peut gérer un projet, surtout dans le cadre d'un événement. Et en fait, il y a des bénévoles qui ont partagé leur expérience et je me rends compte que c'est des projets qui notamment plaisent généralement aux bénévoles. Ils plaisent parce que les bénévoles, il y a un côté responsabilisant aussi dans les missions, professionnalisant. Et puis en plus, ça permet aussi d'aller chercher des partenariats qu'on n'aurait jamais pensé aller chercher, comme des partenariats de produits, des associations de producteurs comme les AMAP, les recycleries sportives aussi. Des assos qui viennent, il y a une asso qui s'appelle Disco Soupe qui vient faire de la soupe sur base de restes alimentaires avec de la musique pour un côté un peu festif. Génial. Ouais, c'est vraiment top. Et donc, il y a un côté quand même qui est hyper attractif aussi dans ces missions-là. Et je pense que les bénévoles aujourd'hui, porter ce genre de projet sur un événement, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, ça permet aussi d'explorer d'autres aspects dans sa mission. Donc, je trouve que c'est bien. Après, il faut, un minimum de portage politique parce que je pense que quand on est tout seul à porter cette démarche dans l'asso, on peut vite s'épuiser. Et donc, moi, je pense qu'il y a tout à faire, tout à jouer. Je pense que je ne vais pas... Attends, je réfléchis. Je vais m'arrêter là.
pour ce qui est du contenu. Mais en tout cas, Fanny, si tu veux un peu qu'on rebondisse sur tes questions que tu avais tout à l'heure, notamment sur l'achat de matériel centralisé, donc d'achat UFOLEP, hein, c'est ça? Oui, ça pourrait effectivement être intéressant et effectivement dégrouper, du moins réduire les coûts à chacun parce que ça serait acheté plus, de manière plus volumineuse par l'UFOLEP. Mais effectivement, déjà par le biais des comités, s'il y a des prêts, s'il y a des choses qui sont envisageables, ça c'est évident parce que. Mais après, sur, voilà, sur des produits un peu nationaux, je dirais, si effectivement sur une gourde, une UFOLEP, ça pourrait regrouper bien beaucoup de sports et beaucoup de jeunes et beaucoup d'adhérents. Donc voilà, savoir si ça existait ou pas du tout encore. Tout à fait. Un peu centrale UFOLEP, quoi. Oui. Oui, tout à fait, ça existe. Aujourd'hui, on a une centrale, on a un site internet avec de l'équipement. Et je sais, quand on fait des formations, généralement, on offre des cours du UFOLEP. Et là, j'ai vu passer des tote bags où il était écrit sur le tote bag, ce tote bag a été fait à partir de bouteilles recyclées. Enfin, voilà, donc il y a déjà des choses qui se mettent en place, mais il n'y a pas encore une vraie politique d'achat responsable mise en place, mais il y a quand même quelques initiatives. Donc voilà. Mais effectivement, l'idée, ce serait peut-être de le centraliser sur tous les achats à moyen terme, court-moyen terme, idéalement. Et à côté de ça, j'ai aussi ouvert la page de Décathlon, où souvent les associations, les comités, ça arrive, où, des fois même pas par le biais des comités, mais parfois Décathlon, de façon locale, ils proposent moins 20% pour les associations, moins 10, enfin, ça dépend. Et là, j'ai vu qu'ils ont une gourde qui est à 6 euros, qui est en aluminium. Et du coup, je me dis que finalement, sur le marché, il peut quand même y avoir des tarifs aussi intéressants. Et après, il faut demander à l'UFOLEP de, ou pas à l'UFOLEP, enfin avec le club, de voir comment le logoter avec Décathlon, etc. Mais en tout cas, il y a différentes options qui peuvent être possibles. Il faut les étudier et voir laquelle est la plus adaptée et dans quelle mesure le comité peut aussi servir d'intermédiaire pour faciliter. Parce qu'évidemment, si une association a 100 gourdes à acheter et si le comité il a trouvé 10 assos qui ont 100 gourdes à acheter, c'est sûr que voilà, ça sera autre chose. Oui, complètement. Et vous, Fanny, du coup, dans votre asso, tu disais que vous mettiez quelques actions en place, mais est-ce que vous êtes plusieurs bénévoles à être mobilisés sur cette question-là? Comment c'est pris en compte? Ah, par contre, il faut réactiver le micro. Ouais. Non, je disais que j'allais faire du bruit à côté, c'est pour ça que vous ayez les bruits. Non, dans l'idée, nous, on a déjà les éco-cups qui sont utilisés. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la grande période en période de Covid et c'est l'entretien qui peut être un peu compliqué, mais voilà, c'est des choses qu'on fait. On a du recyclage de capsules de café. Et du coup, on récupère là aussi des fonds qui sont redistribués à l'association. Donc là, c'est, je crois que c'est le modèle, ce n'est pas les Nespresso, c'est les plates. Alors, je ne bois pas de café, donc je ne suis pas l'experte. Ouais. Mais bon, peu importe la marque, en fait, il y a ce système-là. On fait les bouchons en plastique qui sont redonnés sur une association pour des personnes handicapées. Voilà, il y a différentes petites choses effectivement et l'idée c'était de développer et c'est vrai que quand j'ai vu que vous proposiez le webinaire, je me suis dit que c'était l'occasion vraiment. Là je sens que le guide va être très utile à lire, hein, le guide Zero Waste plus les fiches UFOLEP, et je pense que voilà, il va falloir analyser tout ça, regarder, et qu'après il y aura d'autres questions, et vu qu'il y a les mails et les téléphones, et ben voilà, ça sera, le lien il est fait, voilà. Trop tard. Je partagerai aussi la plateforme qui vous dirigera vers les sciences participatives. J'ai vu que tout à l'heure Jonathan, dans son introduction, il a parlé de ça justement. Ils en font ils font la collecte, ou en tout cas il y a un lien avec un projet scientifique, et je trouve que c'est bien aussi. Je crois que ça peut être intéressant en tant que licencié de se dire, ben, que je peux directement, moi, préserver, à mon échelle, participer à la préservation de la biodiversité. Parce que je crois que c'est important d'être sensibilisé et informé dans un premier temps, et puis ensuite, avoir une action un peu concrète qui suit. C'est, Nous, on a beaucoup de jeunes, et on est dans une ville qui est réputée pour être très
polluées ou polluantes, hein, Gardanne, les boues rouges. Oui. Voilà, il y a un fort impact qui est connu et c'est vrai qu'il y a, il y a de quoi travailler, quoi. Ok. Donc, mais le fait qu'il y ait cette réputation-là, je pense que ça rend peut-être encore plus le sujet facilement approchable par rapport au fait que si c'est effectivement un peu connu de tous, c'est notamment connu des enfants, c'est pas, enfin, ça sera encore moins, encore mieux vu que le club aussi fasse à son échelle ces choses-là. Et c'est vrai que moi, je suis gymnaste aussi et même par moments, on n'a pas forcément tendance à nous faire sortir du gymnase et je me dis que même aux alentours, aller regarder ramasser les déchets qui sont sur le parking ou sur la rue attenante sous forme d'échauffement, enfin, selon si c'est sécurisé ou pas, mais pareil, aller dans le parc à côté, faire trois tours et en même temps, au bout d'un tour, on doit avoir dit ce qu'on a vu autour de soi en termes d'arbres, ou etc. Enfin, je pense qu'il y a, vraiment un potentiel de créativité, peu importe la discipline, pour faire ce genre de choses. Et effectivement, il faut l'adhésion bon, des bénévoles, des entraîneurs, etc. Mais je pense que ça peut facilement être des sujets porteurs. Et on en avait parlé aussi, Léna, je crois, une fois. Souvent, il y a un gala, notamment en gym. Il y a un gala de fin d'année. Et le faire sur le thème de l'écologie avec un fil rouge pendant toute l'année pour la préparation de cet événement aussi. Avoir des moments intermédiaires à chaque vacances, se dire on va plutôt sensibiliser autour de ça, les deuxièmes périodes de vacances à vacances sur ça, et à la fin au gala, on met un peu en avant tout ce qu'on a appris pendant l'année. Je pense que ça peut vraiment être fédérateur et être une vraie dynamique et une identité de club aussi, quoi, quand on veut pousser vraiment. Mais comme tu disais, Léna, je m'emballe un peu, il faut commencer chacun à son échelle, etc. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont porteurs, quoi. Super bonne idée. Oui, tout à fait. L'idée de sortir des structures où on est, quoi, dans le gymnase où tu es enfermé, effectivement, courir autour des tapis ou courir dehors, c'est quand même pas pareil. Ouais. Et après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'idée de pouvoir être source de récolte de données scientifiques. Où là, peut y avoir aussi quelque chose d'intéressant et d'utile en connaissance et puis voilà, on met notre petite pierre à l'édifice en participant à des projets scientifiques. Oui, complètement. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je le pense vraiment. Je trouve que c'est pas un sujet qui appartient aux experts. Et en fait, c'est un sujet qui est tellement global, comme je le rappelais tout à l'heure, que les associations sportives, enfin, chaque acteur y a sa place. Et puis, il y a des collaborations qui peuvent être faites, et notamment celle-là. Enfin, les chercheurs, ils peuvent pas être partout constamment. Et finalement, c'est cette base de citoyens qui peuvent leur envoyer de l'info comme ça depuis le terrain. C'est pour eux, c'est une richesse énorme. Hein, donc, de se dire que l'asso sportive, elle permet aussi à ses licenciés de participer à ce genre de projet. Je trouve que ça va être hyper valorisant aussi pour l'activité, pour eux. Donc, Et puis même, je et être éducateur quoi aussi. Voilà, éducateur, pas que sportif, être citoyen et avoir des connaissances supplémentaires. Complètement. Et je me dis que même si ce n'est pas forcément en lien avec vraiment une commande d'un projet scientifique, en fait, ça n'empêche pas de le faire quand même soi-même. C'est-à-dire, par exemple, là, si c'est l'air qui est pollué, je ne sais pas si on a un petit outil qui permet de faire un calcul facile où à chaque fois, avant le début de l'entraînement, on va dehors, on prend ce calcul, on le note sur un tableau et puis on observe pendant l'année. Enfin, c'est aussi... Et puis après, on peut aussi imaginer aller voir la mairie et leur dire, regardez tout ce qu'on a fait, on a fait des calculs par rapport à ça. Ou je ne sais pas, les photographier, là, il existe l'application avec les plantes, là. Ne serait-ce que devant le gymnase, souvent, même au bord des murs, il y a des petites plantes qui poussent. En fait, même quand on est en pleine ville, il y a un petit peu aussi. Et du coup, prendre des photos et faire une petite expo. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses à faire, je me dis, pour sensibiliser, quoi. Ouais. Et puis, c'est bien ce que tu dis par rapport à la ville, parce qu'effectivement... La nature, elle est partout, idem en ville. Et donc, pouvoir aussi avoir cette approche avec des enfants en ville, je trouve que c'est bien.
En plus, souvent, on parle de. Là, tu parlais des herbes, on parle de bonnes herbes, mauvaises herbes, alors que ça reste, c'est de l'herbe, en fait. Hein, donc, c'est juste qu'on ne les connaît pas et elles ont leur rôle à jouer pour la biodiversité. Donc, c'est bien. Merci, Fanny, pour cet exemple. Voilà. En tout cas, sur les choses que j'ai présentées, donc j'ai envoyé le lien de la plateforme. Fanny, je ne sais pas si je le fais là, si je le fais dans le chat, j'imagine qu'on n'y aura pas accès. Hein, oui, ils n'ont pas accès, mais on va le mettre en lien cliquable sur le PowerPoint, parce que de toute façon, on va renvoyer derrière la vidéo et le PowerPoint. Et du coup, vous pourrez cliquer sur les liens, on les mettra en évidence. Parfait. Donc, il y aura aussi le lien vers le guide Zero Waste et le lien vers les outils UFOLab sur la biodiversité, parce que je crois que on peut vraiment connecter entre ces outils et, comme tu disais, Fanny, une petite activité de sensibilisation qu'on peut mener de son côté, d'information, d'éducation. Donc, voilà, c'est des outils qui existent et qui peuvent être complètement connectés les uns avec les autres. Voilà. Merci, Léna. Merci, Fanny. Ouais. Merci, c'est super enrichissant, vraiment. Si, voilà, si jamais tu as besoin d'informations supplémentaires ou tu souhaites enrichir certains sujets, n'hésite pas à me contacter. Je reste disponible. Je n'hésiterai surtout pas. Super, très bien. Je vais étudier un peu les documents et les ressources et puis très rapidement, je vais revenir vers vous. En tout cas, merci beaucoup pour cette organisation et d'avoir pris le temps d'initier et d'impulser tout ça et de se mobiliser. C'est important. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.